Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison, si le cœur vous en dit, venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants d'aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Couteau, hein. Les petits farcis, ça commence par l'aspect du légume qu'on veut bien lui donner. Et c'est nous qui décidons de la forme du navet, hein. De la forme de la pomme de terre. Alors vous pouvez vous aider aussi de la cuillère à pomme parisienne pour le creuser. On va vous donner. Regarde ce qui est rentré en l'air, la poussière. Regarde ce qui est rentré en l'air. J'ai une manière légère pour le faire travailler.
Aujourd'hui, on fait des petits farcis. Des petits farcis, des légumes farcis. Ah, j'essaie de faire une espèce de cercueil. Dans la pomme de terre. Ça va être vraiment un cercueil quand moi je suis fini. Déjà que je suis aux herbes, s'il vous plaît. Oui, chef. Ben, qu'est-ce qu'elle veut, la Ben? Ben, question. On a pris pour le chef, c'est déjà la première fois. La dernière. Oh, des commentaires assez. Vous me la remontez quand? J'en ai aucune idée. Moi j'aimerais savoir. Ah? Vous voulez dire? What time do we have to bring it back upstairs? Before midnight. Avant. Ok. Okay, we'll do it as soon as possible. On le fera dès que possible. As soon as possible, sir. Je vais garder le chapeau de ma courgette, hein, pour tout à l'heure. On le blanchit aussi, alors. On le blanchit aussi. D'accord. Et surtout, vous gardez les intérieurs. Hein. Okay. À partir de maintenant, on garde les intérieurs. Pas beau, ça? Regardez bien, parce qu'à Cannes, hein, vous n'en aurez pas de si belles, les courgettes. On a pris des pommes de terre à faire ferme. Attention à vos pommes de terre. C'est vraiment de la matière. Hein. Et on le cuit dans le bouillon aussi. Donc ça cuira combien de temps, les champignons? Très vite. 3-4 minutes maximum. On va aller vite. Dites-moi, dans le blanchiment, là, est-ce qu'on peut considérer que c'est presque une cuisson et mettre un peu de sel dans l'eau? Oui. Eh ben oui, bien sûr. Hein? C'est pareil, bah oui, c'est exactement pareil. Il faut bien que je me différencie de vous. Hein. Moi, je suis chef. Bah oui, c'est chef. Hein? Normal. Dieu. Dans la cuisine, Dieu. Le chef est Dieu. Quand même, m'arrange pas là, non? Monsieur. Non, mais c'est comme ça. Donc, vous en êtes au troisième légume. Le navet, est-ce qu'il est en train de cuire, le navet? Hein? Oui ou non? Oui. Très bien. Le navet, je vais cuire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à faire comme... Et on va arrondir quand même le champignon. De façon à lui donner une belle forme. Comment on va les cuire, les champignons? À les cuire. C'est-à-dire avec de l'eau, une heure, un citron. Oui, on pourrait très bien le cuire à les cuire aussi. C'est-à-dire avant, en fait. On pourrait aussi le passer à l'huile. Hein? On va commencer à blanc, on va tout faire à blanc. Donc on va le cuire hein, dans le même bouillon de légumes aussi. Ça va? Oui? Non, non, tu les gardes au frais. Oui, ouais, tu les gardes dans la part. Dans la... Le citron, ça existe quelque part dans les maisons, le citron? La courgette, regarde Claudiane, elle est là, Dina, elle est là. Et t'as vu ce que j'ai fait? Je l'ai mis à cuire dans du bouillon de volaille.